Hello tout le monde, ici Gamers King pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur. Je vais baisser le son parce que je le trouve un petit peu fort dans mes oreilles. Sur Zelda. Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD. Et vous pouvez voir que j'ai mixé de nouveaux esprits. À comparer de la dernière fois, je crois pas que je les avais. J'ai fait le briscarco qui nous permet de... quelles compétences déjà? Je me rappelle plus. Ah, ça fait trop longtemps. Bref, ah oui, les boosters HP. J'espère que ça va être correct pour mon nouveau micro. Il est moins sensible, donc c'est mon ventilateur à côté de moi qui ventile. À comparer de l'autre que je pouvais pas, parce qu'on entendait un bruit de fond, c'était pas très... cool. Bon, des boosters HP, c'est intéressant. Le glacier X aussi. Brasse de glace. Ouais, on verra. Booster Mazi. Ouais. Puis ça, c'est quoi? Booster Mazi. Ça peut être intéressant, le booster Mazi. Accélérateur de mana aussi. Que je peux pas prendre encore tout de suite. Le jarpin, on l'a vu. Et le briscargo qui a somni. Mais qu'est-ce qui est intéressant? C'est défenseur. Je crois que c'est pour augmenter la défense, mais je ne suis pas sûr. Écran lumineux. Dernière force, c'est vraiment ça qui est intéressant avec lui. Et ça nous prendrait 3 fois fusionner avec. Donc on va le faire, on va réussir. Et là, notre mission c'est procure-toi un voilier solaire sur les quais et va au portail. Ok. Il faut que j'aille au voilier solaire. Je sais pas, est-ce que c'est par là le voilier solaire? Non. Mais je comprends pas le procure-toi. Mais vraiment. Bon bref, c'est pas bien grave. Je suis freeze. Débile. Reviens. Mais reviens. Dès que le briscargo peut fusionner, je vais sûrement fusionner avec. Comme ça, ça va me permettre tout simplement de ouf, vraiment ça, tout simplement de pouvoir. Oh, le pingouin est trop cool, il fait de la glace partout. Ça va me permettre tout simplement d'avoir plus rapidement dernière force, je pense. Tu dégages. Ça doit être par là qu'on doit aller en fait, je pense. Dégage. Ah ouais, c'est par là. Ok, on continue. Je me demande qui est le boss de ce monde. On doit être dans le voilier solaire, je pense, bientôt. Je sais pas si c'est au voilier solaire qu'on... au voilier solaire, oui. Au voilier solaire qu'on voit le boss. Qui c'est? Niveau 17 déjà. Ok, parfait. J'ai hâte de voir le prochain monde parce que c'est le monde de Pinocchio qu'on n'a pas vraiment vu dans les cas. Mis à part évidemment Monstro dans KS1. Mais bon, Monstro, je ne considère pas ça trop comme le Pinocchio complet. Là, on va voir le paradis des garnements. Donc, c'est le lieu où que les enfants vont dans le Disney. Donc, j'ai hâte de voir ça. Allez, une petite altération du réel. Switch target. Ah, là, il s'est allié à nous. Ok, ah, c'est cool. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Ah! C'est vraiment cool l'altération du réel dans ce monde. J'aime bien. Pour l'instant. Donc on peut quand même un peu les allier à nous. Donc c'est pas... c'est vraiment cool. Ah, je ne savais pas. Allez. Altération du réel. Et autodestruction. Pouf! Oh, ils sont endormis. Oh, c'est mignon. Mais tu veux mourir. Tu veux mourir, j'ai dit. Arrête. Cesse de résister. Même si tu risques de crever, donc ça sert à rien de résister. Voilà. Et toi? Comme ça, parfait. Et puis... bon, on a bientôt monté la source de fusion de... de briscargo, donc ça va être pas si mal. On va pouvoir l'augmenter. On va pouvoir bientôt l'utiliser.
Oups, auto. Non, destruct. Auto. Auto-destruct. Pouf. Je crois que c'est pour en mettre un passage, c'est pour ça qu'il y avait seulement ces soies-là. Oui. Bon, ok. C'est un petit peu évident parfois. Ah, c'est une carapace. Je sais pas trop c'est quoi les capacités qu'on voit quand. Parfois à côté de notre personnage. Mais bon. Allez, un petit coffre. C'est quoi? C'est quoi? Un L O C K Unlock. Ok, c'est pour déverrouiller le voilier solaire. Solaire, je pense. J'arrive plus à parler, c'est horrible. Ça doit venir de mon nouveau micro, qui sait. Donc Unlock, j'ai sûrement débloqué quelque chose. Y a pas de coffre à quelque part, non? Wow, on descend, oui, vers l'infini et l'au-delà. Bon, parfait, y a pas un truc qui traîne, non, ok. On dirait qu'on est retourné au début, ou peut-être pas. Ah non, pas ça, bon, j'arrive pas à faire l'altération du réel, c'est cool. Elle est vraiment cool ma vie. Allez, vas-y. Dégomme-le. Oui. Allez, oups. Parfait. Est-ce que je peux faire un switch target? Non, je suis obligé de faire une autodestruction. Ok. Donc ça doit m'ouvrir un passage. Toi, tu dégages. Tu me fais pas chier, toi aussi. Oh là là, mais que des personnes qui veulent me faire chier. Ok, il faut tout ce que je détruise. Ok, j'ai compris. Ah, allez, saute. Allez, parfait. Bon, c'est une autodestruction encore. Triangle et carré. Parfait. Bon, ça, je commence à l'avoir, le. Les commandes à réaction. C'est parfait. Qu'est-ce qu'il y a par là? Ils sont trop bas. J'ai peur d'oublier des coffres. Vraiment. Mais bon, je vais les faire en off comme d'habitude. J'ai l'habitude, c'est l'habitude de faire ça en off, les amis, c'est fou. Allez, un petit disco bolos. Puis, je vais peut-être faire une fusion avec le rouge, oui. Qui est Brice Cargo. Allez, une petite fusion avec Brice Cargo. Oula, qu'est-ce que tu fais, Rico? Allez, comme ça, ça va me permettre d'augmenter ses compétences. Comme ça, je pourrais avoir dernière force, par exemple. Pas bien. Disco Bolos. Disco Bolos. C'est assez bizarre, ces combos. Oh, il y a un coffre là-bas. Je vais checker. Juste pour voir si ça... Si ça sens de quoi, un truc comme ça, dans les fusions de compétences. Si ça écrit 2 au lieu de 3, par exemple. C'est écrit trois fois de plus avec cet esprit, hein? Sauf quand tu as fusionné 3 fois de plus avec cet esprit, je comprends pas. Peut-être quand que j'étais rendu là, je vais regarder ça plus tard. Voilà, un petit accélérateur de mana. Puis toi, tu peux rien faire. Non, pas de... Bon, ok. On s'en fout. Il y a un coffre là-bas. Le coffre, c'est important. C'est de la vie. Bon, on a eu ballon. Qui est quand même un sort fort. Je devrais plus l'équiper. Mais j'y pense pas. Mais bon, c'est pas grave. Je vais l'équiper sûrement après. Parce que je crois que c'est quand même assez fort. Puis le... La version X de ce sort est assez fort. Donc peut-être que je vais l'équiper. Là. Ah, un coffre, attends. Jeu de commande, modifier. Peut-être enlever. Brasier plus pour ballon. Si j'en ai un X. Plus, je veux dire. Non, mais bon. Pas grave, je vais équiper ballon. Un petit coffre.
par là-bas. Un point de sauvegarde que je n'avais pas vu. Ça fait toujours plaisir quand on les voit pas, les points de sauvegarde. Bref, on sauvegarde, comme d'habitude. Et on va aller voir le petit coffre que j'ai oublié. Viens ici. On ouvre ce coffre-là. On a un magnifique réveil. On en a pas de besoin, on a tellement... Continuons. Ok. On a tellement mis un gros ralentisseur qu'on en a... On en a pas vraiment besoin. Je peux pas monter là-dessus, non. Pourquoi ça dit continuons? C'est écrit continuons. Allez, on essaye. Je sais pas si je dois faire ça. Non. Je vais aller voir par là-bas. Monter. Ah, ok. J'ai trouvé le voilier. C'est parfait. On y rentre enfin. You gonna make it? I don't know. But didn't you write her code? Some of it. But the rest is just beyond me. She's an ISO. ISO? A whole new life form. Cora is the last ISO. And you created them? They manifested, like a flame. They weren't really, really from anywhere. The conditions were right, and they came into being. For centuries, we've dreamed of a pure existence beyond our own. I found them in here, like flowers in a wasteland. They were spectacular. Everything I'd hoped to find in the system, control, order, perfection, none of it meant a thing. The ISOs, they were going to be my gift to the world. There, good as new. It's going to take a while for our system to reboot. So what happened to your gift? Clue. Clue happened. He was built to create the perfect system, but endless potential can never, ever be fully realized. Clue saw the ISOs as an imperfection, so he destroyed them. He screwed up. No. He's me. I screwed it up. Chasing after perfection. Chasing after what was right in front of me. Right in front of me. Look too hard for one thing, and you miss everything else. And then, the people around you get hurt in the process. Like Xehanort, his single-minded thirst for answers created Ansem. We all have a little of that curiosity in us. So if we're not careful, any one of us could create an Ansem. Great! They found us! We've been put on a new course. Goodbye. Cora! No, wait! She's removing herself from the equation. We can't just let her go. Yeah. No. Hold on, Sam. What about getting you to the portal? You shut them down from the outside. But Cora comes first, and we still have to get back your disc. Sam, if you chase two rabbits, you won't catch either. If this is a father-son thing, I won't butt in. But we should probably get back that disc at least.
before Clue uses it to destroy the outside world. Come on, Sam. Right. Meet me on the flight deck, and get us some wheels. Wheels? What's your plan? I'm a user. I'll improvise. Riku, I gotta save Korra too. I know. We will. The dish should be somewhere on the throne ship. I saw it dock here earlier. Over there. All right. Faut qu'on aille dans le vaisseau mère. Oh. Puis on a eu une petite comparaison parce que avec Xehanort, je crois. Ansem plutôt. Parce que en fait comment il s'appelle, le père de Sam, je me rappelle même plus de son nom. La preuve qu'il est important, a décidé de vouloir créer la perfection. Et ça l'a fait penser à Ansem, notre saint Riku. Ballon. Allez. Un petit soin. Allez. Ouais, ça l'a fait penser un peu à Ansem tout ça. Donc il dit que n'importe qui peut créer un Ansem. Ce n'est pas impossible. Je crois que j'ai vu un coffre là-bas. Je crois. Oui, ils envoient un juste là-bas. Allez, on y va. Go, go, go. Kaga par Ranger. Non, je voulais pas. Non. Allez, dégage. Allez, un petit soin X. Éloigne-toi. Un petit ballon. Allez. Allez, toi tu vas mourir. Non, même pas. Allez, oui, bon, c'était. Ça va être assez simple. Parfait. Parfait. Bon, ça c'est un portail, je sais pas c'est quel type de portail. C'est un portail spécial. Flemme d'en faire un. Je sais pas si je devrais tous les faire. Dites-moi là en commentaire. Comme d'habitude. Puis je verrai si c'est vraiment important. Je pense que oui, pour avoir tous les trophées, au moins essayer d'avoir énormément de trophées, le plus de trophées possible pour avoir la fin secrète, parce que évidemment la fin secrète ça nous prend tous les trophées malheureusement. Donc ça va être un peu galère. Bon, si je l'avais fait en critique, je pense pas que je l'avais au début. Mais je n'aurais pas été obligé de le faire, mais bon. D'ailleurs, de toute manière, je suis pas un joueur d'expert pour les casses. Donc bon, de critique plutôt. Je joue très peu en critique. J'ai jamais commencé vraiment de partir en critique vu que ça n'avait pas les toughs, on va dire. Wow, on a eu une nouvelle recette, on va aller voir ça. Tout, tout, tout. Ah, oh, c'est ça. Oui, Soumirette. Je vais voir si je le... Qu'on a... Les créations, on en a juste assez. Bon, je vais monter au moins niveau 19. Ouais, au moins niveau 19. Allez, on va le créer. On va voir ses compétences. Avant de voir si on le prend dans notre équipe ou pas. Oh, une petite chouette. J'ai envie de l'appeler, même si je ne suis pas un grand fan d'Harry Potter. Ça me fait vraiment penser à ça, mais je vais l'appeler. Je sais pas comment ça s'écrit, donc désolé si je fais une faute. Edwidge. Je pense pas que ça s'écrit comme ça, mais bon, on va l'appeler comme ça. C'est mignon comme nom. Voilà. Je veux voir tes compétences là. Tu m'intéresses seulement pour tes compétences. À part ça, je m'en fous. Bref. Modifier groupe. Je vais sûrement modifier le jarpin pour le petit Edwidge. C'est quoi tes compétences? Fusion de compétences.
T'as blackout. Ok, booster feu. Booster feu. Paraticité. Booster glace. Ok. Brasier plus. Booster foudre. Ça, c'est quoi? Booster de soutien. Ok, bon. T'es pas intéressant. T'es vrai. Clairement pas intéressant, malheureusement. Donc, modifier groupe. Je vais remettre le arpent juste ici. Parce qu'il est clairement, mais clairement pas intéressant. Je trouve perso. Bref, continuons. Cette épopée sur Cass. DDD. Un coffre. Calme. Tu te calmes avec ta fluidité. On est passé ici, je sais pas si vous vous souvenez avec Sora. Donc c'est vraiment cool, on a quand même les mêmes lieux qu'on revisite. Donc c'est quand même pas si mal. Hop, éloigne-toi. Boussa. Soin. Ballon. Voilà, dégage. Tu es mort. Toi aussi, tu vas mourir. Il faut quand même grave mal les gardes, mais c'est horrible. C'est pas de sorte de parade. Attends, je vais aller voir ça. Jeu de commande. Modifier. Ils sont où, mes parades? Parade? Les assauts vendeurs, mais... Il veut pas. Je peux pas placer parade. Non, assauts vendeurs, c'est seulement Sora. Ok, ouais. Je vois. Je vois pourquoi je peux pas le placer. Ah bon, c'est pas bien grave. On continue. Vous avez toussé mon micro, je sais pas si ça s'entendra. Espérons pas. N'espérons pas. Oui. J'ai mal à la voix, j'ai tellement l'impression de parler plus fort vu que mon casque est un petit peu plus insonorisé que l'ancien. Donc, j'ai l'impression de parler un petit peu plus fort. Donc, désolé si c'est le cas. Mais bon. Allez, monte. Riku. Voilà. Non. Non. Bon. Il veut pas par là. Ouais, parfait. Donc, on y va. Non, pas encore des gardes. Il y a trop de gardes avec Riku, je trouve. Voilà. Oh. Allez, tu te débarrasses. Allez, parfait. Une altération du réel. Ça, Moving Spark. Je sais pas c'est quoi, mais bon. Ah, c'est ça. Bon, on le détruit comme ça, parfait. Un coffre. Donc, on le prend. Non, ça doit être plus haut. Je vois pas de coffre en tout cas. Non, plus là. On n'a pas d'intérêt. Il n'y a pas de coffre ici ou quoi? Allez. Parfait. Non, non, éloigne-toi. Parfait. Un petit ballon ici. Bon, c'est pas bien grave si ça n'a pas passé le ballon. Il faut vraiment mal, mais c'est horrible. J'ai jamais vu de mobs qui font autant mal, je sais pas. Peut-être que si, qui sait. Un ballon. Allez. Parfait. Les fusions ont monté. Parfait. Bon, ok. Ah, bon, ok, j'ai pas trop perdu de vie en fait avec la bombe. Je pensais en perdre un petit peu plus. Mais bon, c'est parfait. Je crois que c'est là la suite. Mais avant, je veux voir pour des coffres comme là-bas. Allez, wow. Je sais pas si. Ouais, je pense qu'on a un trophée en détruisant par fluidité. Soin X. Disco Bolos.
ballon. Au, 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 je me fais toucher par quelque chose. C'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Allez, un petit soin, parfait. Une chose qu'on a deux soins dans notre jeu de commande, c'est vraiment grave pratique. Toi aussi, tu dégages, allez, bon. On peut continuer, il n'y a rien par là. Non, il y a l'air d'avoir rien rapidement. Donc, je pense qu'on est rendu de sauvegarder avant. Mais je pense qu'on est rendu tout simplement dans la dans le combat de boss. Avec Sora, c'était comme ça, donc on va aller voir. Donc, d'accord, prendre l'ascenseur. Je pense. Il y a que dalle ici, il y a que dalle ici. Ça doit être la salle du boss. Ou pas. Dégagez. Ballon, soin X. Ah, je vais faire une petite fusion avec lui. Ah, c'est vrai. Bon. Allez, une petite fusion, c'est parfait. Bon. Ça c'est mieux au sol, mais bon. Pas grave. Allez, voilà, tu crèves. Comme ça, ça va m'aider à monter tout simplement la fusion de Brice Cargo. Je vais juste checker, mais je suis pas sûr. Je vais juste vérifier si c'est vraiment comme ça. Ouais, deux fois, ok, c'est ça. Il faut que. Fallait qu'une compétence à côté soit toussée pour qu'on puisse accéder. Un petit soin plus, allez. Parce que j'ai l'impression que c'est le combat de boss bientôt. Je sais pas pourquoi. C'est une zone qui m'inspire pas un combat passif ou un truc normal. Sam, go! What are you doing here? To the flight deck. But Clue will be here any minute. We'll never make it. Don't worry. Riku's here to help. Voilà, rends-toi au portail. Donc on est bientôt rendu au portail pour redevenir, pour retourner dans le monde des hommes. On se rappelle que c'était un peu l'objectif de Riku de les aider pour au monde réel en quelque sorte. Parce que Tron, bon, si vous connaissez pas le film, c'est tout simplement un monde informatique. Mais ça bon, je sais pas si tout le monde le sait. Mais bon. Donc, on doit les aider à retraverser le portail avant que ça se ferme, comme qu'on a appris dans le dernier épisode. C'est vrai que j'en ai pas trop parlé, il faudrait vraiment que je change mes résumés d'épisode. Donc, c'est ça. Parce que le portail, je pense en 8 heures, il se ferme ou un truc comme ça. À ce que j'ai compris. Donc, il faut qu'on s'en occupe de les renvoyer dans leur monde. Avant que ce portail d'accès se ferme à tout jamais et qu'il reste coincé ici. Donc c'est pour ça qu'on doit les aider. Je sais pas si j'étais bien clair. Allez, est-ce qu'on peut le détruire?
Oh non, c'est certes. Bon, j'ai fait quoi? Swiss Target, ok. Donc, ça allait à nous. Je sais pas. Je sais pas si je peux le faire encore, mais ça servirait à rien. Oh, encore eux. Allez. Bon, c'est assez simple de les battre, je trouve. C'est assez simple, je vais crever, oui. Non, mais ils ont pas l'air si compliqué que ça, mais ils font vraiment mal. C'est leur gros défaut, je trouve. Allez, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait, mais je l'ai fait. Bon, tu dégages, on s'en fout. Non, tu me touches pas. S'il te plaît. Voilà. Tu dégages aussi. Parfait. Parfait. Et bon, on a un point de sauvegarde, donc pas besoin d'utiliser un truc pour se régénérer. Puis on a même un magnifique coffre. C'est quoi? Pistolet. Bon, on n'a pas besoin de faire, je pense, de réveil parce qu'on est bientôt arrivé au boss. Puis on a encore une grosse zone de passage, donc on peut continuer, je pense. This is mine. Had a feeling you'd be here. You! You promised that we would change the world, together. You broke your promise. I took the system to its maximum potential. And now, you see the applications at my disposal. I don't believe it. You can leave this one to me. Bon, on bat Nibelheim comme boss, je m'en doutais. Ah, puis si vous voulez savoir, parce que si vous trouvez que le clou ressemble beaucoup au père de Sam, c'est tout simplement lui qui l'a créé, il me semble. Un truc comme ça. Il me semble. Si je me trompe pas, si je dis pas de conneries. Me donner un petit soin plus. Allez. Il n'y a pas l'air tellement difficile. Je me suis trompé de fusion, mais bon, on l'a fait. Oh, peut-être pas, en fait. Je sais pas. Elle a tellement pas l'air efficace, cette fusion. C'est pas le brise cargo, c'est le pingouin. Ok. Je me suis trompé. Allez. Ah, allez. Allez. Je vois plus rien. Bon, j'aurais pu faire une altération du réel, mais ça n'a pas fonctionné vraiment. Comme prévu. Est-ce qu'il s'est régénéré en vie ou c'est moi? Allez, on fait ça. Attends, on se refait ça. Parfait. Un petit soin. Je vais faire surfeur. Allez, on s'est fait une petite fusion avec lui. Ça va être parfait. On va pouvoir avoir dernière force, je pense. C'est dernière force hein, qu'il nous donnait, oui. Donc ça va être parfait pour nous le donner. Je sais pas s'il se résonne, on dirait qu'il se résonne un peu. Allez, un petit soin. Allez, hop. Allez, 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 allez. Parfait, bon. Allez, soin. Oui, parfait, on l'a eu.
Et... Ah, c'est pas si mal, on le fait quand même bien mal. Je pensais pas qu'on le ferait autant mal, mais bon, on le fait mal. Allez. Bon, on est rendu à son avant-dernière barre de vie. Je trouve qu'on galère moins qu'avec Tron. Je sais pas si c'est lui qu'on devait faire avant, mais bon. Parfait. C'est quoi que je peux faire? Jam. Erdi. Anne. Mère. Oh non. Mère. Voilà. Energy Demi. J'ai pas compris c'est quoi, mais bon. Bon, la Valrave, elle a pas l'air tellement puissante. Je dis ça, mais à la fin, elle va nous démonter. On va rien comprendre à notre vie, les amis. Ça va être horrible. Mais bon. C'est pas grave. Allez, la Valrave. Parfait. Non, même pas. Allez. Oh, il te reste pas énormément de vie, mine de rien. Oh, notre dose de passage a quand même augmenté en faisant le boss, j'ai l'impression. Elle est passée de 0,4 à 1,8. Allez. Une autre altération du réel. Je crois que c'est le finish. Non. Ça. Energy Jammer, je sais pas trop ça veut dire quoi. Puis on l'a terminé. Nos HP augmentent. Bon, il était plus simple que Tron avec Sora. Je sais pas si on devait faire Riku avant Sora pour ce monde. J'en doute vraiment. Là, à cause que ça a été trop facile. Mais bon, on l'a quand même réussi. I created the perfect system. The thing about perfection is that it's unknowable. It's impossible. But it's also right in front of us all the time. You wouldn't know that because I didn't when I created you. I'm sorry, Clue. I'm sorry. Go. Clue. Remember what you came for. No. No. Why? He's my son. Go! Dad! Sam! It's time! No! Sam, it's what he wants. I'm not leaving you! Take her! Goodbye, kiddo. Don't even think about it. Thank you.
portal is gone. These gates that connect worlds. Maybe when we pass through them, we're challenged and changed. And it's not over. There are more trials ahead we have to overcome. But we'll be ready, Sora. Et on a une nouvelle Keyblade, double disque Keyblade longue portée, qui augmente la force et l'essence d'asséner des coups critiques. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Where are they? I've turned this castle upside down. Hey, are the other two still out cold? Dylan and Evan are conscious again, but still unstable. They're resting inside. Gotcha. Well, I guess I'll give the castle grounds a sweep. Don't. If they were back, we would have found them by now. Hmm. So do you think they were blasted off to some other world or what? I highly doubt it. When someone who's lost their heart is recompleted, they should return to the place where it happened. And if that world is unavailable for whatever reason, a refuge is made for them in the realm between, a world called Traverse Town. They would be sent there. Or perhaps... No, look. Okay. The fact is, we're here. We've been recompleted, right? So they should be here too. Plain and simple. I agree, it is strange. What a drag. Could they not have been recompleted at all? Well, you see... Forget it. You know what? I'll bring him back myself. Huh? How exactly? Why do I always get stuck with the icky jobs? On n'a pas encore vu de bon, on a eu encore un flashback un petit peu, on pourrait dire, avec Lee Axel, anciennement Axel. Puis on n'a pas encore eu de résumé de Chain of Memories. Ça ne sera tardé, je pense, sûrement dans le paradis des garnements. Mais avant, je vais faire un petit passage pour passer avec Sora. Et après, on fait un petit résumé. Comme d'habitude. Ok, ça. Confirmé. On s'immunise. Parfait. Bref, le petit résumé. J'ai pas trop compris la fin de de la grille. La prochaine fois, je vais ramasser les coffres sûrement en off d'ailleurs. J'ai pas trop compris la fin de la grille, quand que le père de Sam a aspiré le clou, puis bref, il a disparu, j'ai pas trop compris. Ça doit venir du film, puis je les ai jamais vraiment vus. Puis on a vu Lee qui recherche comme Isa, Xehanort et Break, il me semble, qui a pas été recomposé. Recomposé en même temps que... Ils n'ont pas été en même... Il n'a pas apparu à la même place que l'organisation. Donc, que l'organisation, donc, tout ce qui est... c'est qui... je me rappelle plus de leur nom humain, mais c'est Zexion, Zigbar, je crois. C'était Zaldin. Non, je pense que c'était Zigbar. Non, c'est pas Zigbar. Zigbar, c'est Break. Bref, je me rappelle plus. Lee Axel est à la recherche de ces membres-là qui sont un peu disparus. On sait pas trop son où. Donc, c'est trois membres. Je crois que c'est Xemnas, donc Xehanort.
Zygbar, donc Break, et Saïx, donc Isa. On sait pas trop son. Donc peut-être qu'on va apprendre plus tard dans l'histoire. Ça serait vraiment cool. Lee va essayer de les ressourcer. Puis il a vu le truc DTD. Donc je me demande c'est quoi qu'il pense là-dedans. Parce que le DTD c'était le système d'Ansem, le SAS dans case 2. Donc je me demande qu'est-ce qu'il fera. On verra ça, tout ça, la prochaine fois. En espérant que cet épisode vous ait plu, si le nouveau micro vous dérange pas trop, ou vous aimez mieux que je repasse avec mon Blue Yeti que voilà. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager, ça me ferait extrêmement plaisir, commenter des trucs, des astuces, des esprits à crafter, tout ça. Et en attendant, moi je vous dis, portez-vous bien, amusez-vous bien surtout, et bye tout le monde, allez, bye bye!